Vous voulez que je tue quelqu'un? Non, pas encore. Dans l'immédiat, tu vas suivre la formation d'un apprenti. Tout cela est inutile. Tu étais un maître. D'autres traquaient les cibles pour toi. C'est fini. Désormais, tu devras les trouver toi-même. Si c'est ce que vous voulez. En effet. Alors dites-moi ce que je dois faire. Nous avons été trahis. L'un des nôtres a aidé Robert de Sablé. Trouve-le. Et conduis-le devant moi pour que je l'interroge. Que savez-vous de ce traître? Oh, mais rien de plus. Tu en sais autant que moi. Le reste, tu devras le découvrir. Sérénité, Altaïr. Tu m'empêches de passer. Oui, Al-Mualim m'a demandé de t'assister, de te rappeler comment on chasse une proie. Je sais comment on fait. Quoi qu'il en soit, je m'en voudrais de lui désobéir. Alors fais vite. Les Ashishiyun ont plusieurs moyens d'arriver à leur fin. Oui, oui. Nous pouvons écouter les conversations, voler ou intimider quelqu'un par la violence. Bien, tu ne l'as pas oublié. Tu voudrais que je me mêle à la foule et que j'obtienne des informations sur ce traître? C'est ça. Commence par le marché du village. C'est là qu'il a été vu pour la première fois. Tu sais donc qui il est? C'est possible. Eh bien, donne-moi un nom, qu'on en finisse. Ce n'est pas comme cela qu'on procède. Va, et n'oublie pas, commence tes recherches au marché du village. Pourquoi est-ce qu'il est si pressé? Il a à courir comme ça. C'est celui-là. On dirait qu'il est poursuivi par quelqu'un. Je demande ce qu'il s'appelle. Essayez de faire attention. Il y a quelque chose d'urgent. Où est-ce que ce sont des mecs? C'est ce que j'ai vu. Massoun a ouvert la porte. Il a laissé entrer les Templiers. Tu dois en parler à Al-Mualim. C'est trop tôt. Massoun n'a pas agi seul. Il avait un complice dans la forteresse. Comment peux-tu en être sûr? Il échange des messages avec quelqu'un, à l'intérieur. Le Vanier sert d'intermédiaire. Ce n'est pas une raison pour ne rien dire. Ah, et le Vanier lui a remis un message juste avant l'attaque. Je suis sûr qu'il y ordonnait l'ouverture de la porte. Alors interroge le Vanier. Il connaît l'identité du complice. Il a disparu. Il se cache, de peur d'être mêlé à tout cela. Ouais, peut-être dans un de ses propres paniers. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Regarde un peu où tu vas. Attention ! C'est bizarre, ce genre de plus faire mal ! Pitié, juste un! Nous avons tout perdu dans l'attaque! Nous ne pouvons plus entreposer notre grain! Pas maintenant, je suis occupé. Ce message vous inquiète? Quel message?
Celui que vous avez reçu à mon arrivée. De mauvaises nouvelles ? Je vois pas de quoi vous voulez parler. Écoutez, je vais voir ce que je peux faire, mais s'il vous plaît, dans l'immédiat, laissez-moi. Revenez plus tard. Comme vous voulez. J'écoute vos conversations. Un traître, moi ? Non, pas un traître. C'est Al-Mualim qui nous a trahis. Vous verrez. Bientôt, vos yeux s'ouvriront à la vérité. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Un monde meilleur, où tous les hommes seront enfin égaux. C'est ce rêve que des hommes comme Al-Mualim tentent de détruire par tous les moyens. L'attaque d'aujourd'hui sera suivi de beaucoup d'autres si vous ne vous repentez pas. Renoncez à cette vie. Soulevez-vous contre le fou de Masyaf. Assez de mensonges. Allez-vous-en tout de suite ou j'appelle les gardes. Je ne m'intéresse pas. Pourquoi nous as-tu trahis ? Et qui sers-tu ? Nous servons les Templiers. Rejoins-nous ! C'est une noble cause ! Nous ? Il y a un maître. Il s'appelle Jamal. C'est lui qui m'a exposé leur plan et demandé d'ouvrir la porte. Tu nous as trahis. Nous qui te considérions comme un frère, qui te protégions du mal. J'ai fait ce que j'estimais juste. Si tu dois me tuer pour cela, alors fais-le. Je n'ai pas peur de mourir. Ce n'est pas moi qui déciderai de ton sort. Al-Mualim sera le seul juge. Avance rapide vers une séquence plus récente. Tu es accusé d'avoir trahi notre fraternité et d'avoir permis à l'ennemi d'arriver jusqu'à nous. Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Tout cela est vrai. Je suis fier de ce que j'ai fait. Mon seul regret est d'avoir échoué. Je t'offre une chance de te racheter. Renonce au mal qui est dans ton cœur. Il n'y a rien d'autre dans mon cœur que la vérité. Je ne me repentirai pas. Alors tu mourras. Ah ! Oh ! Je te félicite, Altaïr. Tu as gagné le droit de porter une épée. Et celui qui l'a aidé, que va-t-il devenir ? Cela reste à voir. Certains font le mal par ignorance ou par peur. Ces hommes peuvent être sauvés. D'autres ont vu leur volonté se corrompre, leur esprit se pervertir. Ceux-là, il faut les détruire. Nous saurons bientôt quelle sorte d'homme est Jamal. J'ai réussi la première épreuve. Et maintenant ? Oh, mon enfant. Et cela ne fait que commencer. J'ai ici une liste. 9 noms y figurent. 9 hommes qui doivent mourir. Ce sont de vrais fléaux, des partisans de la guerre. Leur influence menace de pervertir cette terre. À cause d'eux, la croisade continue. Trouve-les
et tue-les. C'est de cette façon que tu sèmeras les graines de la paix, pour notre terre et pour toi-même. Ta rédemption est à ce prix. 9 vies en échange de la mienne. C'est une offre très généreuse. Que veux-tu savoir d'autre ? Juste où je dois commencer. Très bien. Va à Damas. Cherche un marchand clandestin du nom de Tamir. Qu'il soit le premier à payer. N'oublie pas d'aller voir le chef de cellule de la ville à ton arrivée. Je vais envoyer un oiseau pour informer le Rafik de ton arrivée. Parle-lui. Il a beaucoup de choses à t'apprendre. Si vous pensez que c'est mieux ainsi. Je le pense. De plus, tu ne peux commencer ta mission sans son accord. Je n'ai pas besoin de sa permission. Pourquoi procéder ainsi? C'est une perte de temps. C'est le prix à payer pour tes erreurs passées. Tu dois répondre de tes actes, devant moi, mais aussi devant la fraternité. Je m'incline. Prends ton équipement et va. Prouve que tu es encore l'un des nôtres. Altaïr ! Il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Je comprends. Tu es très occupé. Ça alors, quelle imprudence. Si vous vous faites remarquer, quittez les lieux. Wow. Il a le diable à ses trousses ou quoi ?